Bonjour. Alors, il y a quelques jours, on avait fait, il y a une semaine précisément, on a mis en ruche un essaim en faisant un petit test aussi d'acceptation de deux systèmes d'amorce de cire sur cadre, un à jambage et un droit divisé en deux. Voilà, donc là, on va vérifier ce qui se passe. Si l'essaim est bien installé, ça, je pense qu'il n'y a pas de souci parce que je l'ai vu très actif. Mais surtout au niveau des constructions, comment ça s'est passé? Alors, je vais essayer de faire ça avec une main, parce que je tiens la caméra de l'autre, ça va pas être facile, mais on va tâcher. Voilà. Sans trop fumer. Alors, je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais en fait il est très bien installé sur 4 cadres. Ouais, on voit qu'il a très très bien construit là. La cire blanche elle est toute fraîche. Un cadre n'a pas été construit. Il y a déjà, semble-t-il, une réponse. Après, ça dépend où s'est placé l'essaim, hein. On va regarder un peu plus loin. Alors, le cadre à jambage. Je suis parti avec un a priori quand même, hein. À savoir que le cadre à jambage ne sera pas le premier à être construit. Les ruches, les abeilles qui se tiennent par les pattes, en fait, c'est pour faire des mesures et pour fabriquer les cellules en fonction de leur corps. Voilà une première amorce de cire qui a été faite. Alors, systématiquement, on va essayer de le voir, je ne sais pas si ça va être possible. Vous voyez, ce qui est formidable, c'est que les amorces de cire, on a beau chercher du propre, elles vont les remplacer. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas les utiliser, en fait, elles vont être remplacées. Ça permet de les guider. Mais si c'est que des amorces et pas des cires complètes, des feuilles complètes, en fait, elles vont les remplacer assez rapidement, enfin, lors de la construction des premières alvéoles. Si on voit bien, je pense que oui, voilà. Il y a l'amorce. L'amorce était au début tout le long. Alors le deuxième cadre, c'était un cadre de cire gaufrée, si ma mémoire est bonne. Et en l'occurrence, elle l'est. Oula, il est lourd. Je pense que tout le miel que je leur avais donné, elles l'ont mis là-dedans. Donc peut-être pas tout quand même. Donc, alors c'est sûr que la cire gaufrée, ça construit plus vite. Mais regardez l'amorce, je ne sais pas si ça se voit. Elle est beaucoup plus faible en haut, en fait c'est construit sur l'intégralité du cadre, pardon. Voilà, et surtout une grande zone qui n'est pas du tout construite. D'accord, donc ça c'est 7 jours. Hein. Il n'y avait rien dans cette ruche. J'ai mis les seins, il n'y avait aucun cadre bâti. Et donc là voilà, elles sont en train de construire aussi de ce côté. Alors l'inconvénient des cires, en dehors d'être polluées, que ça coûte cher, que c'est pas utile, et que ça en plus ça favorise l'essaimage, c'est qu'elles ne construisent pas pareil des deux côtés. Donc là, c'est un cadre qui est pratiquement au cœur de l'essaim. Enfin, c'est pas le premier de l'essaim, on va dire. Donc elles sont bien installées. Je ne vais pas regarder s'il y avait de la ponte parce que c'est pas ce que je recherche, pour l'instant du moins. Il va falloir vérifier qui en est, pour être sûr que, j'en suis certain vu le comportement, hein, mais pour être sûr que la reine soit bienvenue avec les seins. Voilà. Ça c'est ma solution que je voulais expérimenter, je l'avais déjà expérimenté, mais pas en parallèle de cadre à jambage et cadre gaufré. Et ça s'avère très concluant, parce que la première partie est construite, complètement. Les amorces ont été remplacées comme prévu. Hein. Je ne sais pas si ça se voit bien. Et la deuxième partie est en cours de construction. Donc par rapport au cadre à jambage, je dirais qu'il n'y a pas photo. Là, elles construisent, on voit bien. C'est un peu lourd, alors je tremble un peu. Vous voyez là, elles sont tenues. Là, en fait, il n'y a pas de construction. Elles sont en train de construire. Elles sont toutes tenues. Si je secoue un peu, on voit. D'accord. Voilà.
Donc là, par contre, là, c'est construit. Ah, alors voilà la reine, je ne l'avais pas vue. Ah, elle vient de partir. Non, elle est là. Je sais pas si vous la voyez. Elle est là, voilà. Elle cherche à pondre. Donc déjà, elle est présente, ça c'est parfait. Elle est belle, hein. Allez, on va la laisser tranquille. Voilà. Il est calme, c'était ça. Alors je vais prendre la pince parce que je pense qu'il sera trop lourd. Ça, c'est un autre cadre de cire gaufrée. Voilà, qui est bien construit aussi. De l'autre côté, on va vérifier s'il y a de la ponte. Je pense qu'il doit y en avoir. On voit un peu de pain d'abeille en haut, là, du pollen transformé, avec un peu de miel ici. On va se mettre au soleil pour voir s'il y a des œufs. Voilà, je souffle pour écarter les abeilles. Voilà, on voit les œufs. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas si ça va se voir à l'écran. Il y a beaucoup d'œufs au fond des cellules. À mon avis, il y en a plus de l'autre côté puisque la reine était sur l'autre. Ah, bah elle est là maintenant. Elle s'est transférée sur ce cadre, donc on va la laisser tranquille. Bon, voilà, donc en termes de construction, on a un demi-cadre là aussi. Alors c'est assez concluant, bon, bien sûr sur ce seul test comparatif, on peut pas en retirer de certitude, mais la solution de cadre avec amorce en division horizontale est plutôt concluante, hein, et par rapport au cadrage en bâche, hein, on va voir à l'usage, on va faire d'autres essais sur d'autres ruches, et puis évidemment on va multiplier les essais pour être certain. En tout cas, on ne perd pas en dynamisme par rapport à un cadre de cire gaufrée, mais on gagne sur tous les autres points, à savoir l'aspect financier, la pollution au sein de la ruche, le contrôle de l'essaimage, etc. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va les laisser tranquilles. Je ne vais pas les nourrir parce que les cadres sont suffisamment lourds et les seins suffisamment gros. Il n'y a pas besoin de le cantonner à l'intérieur, mieux qu'il aille chercher. À l'extérieur, ses ressources. Voilà.